Salut les loulous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va avoir un petit mouvement, tranquillou, chacun va le faire à son rythme et au fur et à mesure on va essayer d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Donc on va se retrouver dans cette position là, une main par terre, une main devant et on va s'en servir comme renforcement musculaire. Au début on va poser les deux mains ici et on va venir descendre et remonter. L'objectif c'est qu'il n'y ait que les pieds et les mains qui touchent le sol, pas le reste. On peut faire plusieurs séries ou changer comme ça. Et au fur et à mesure, sur la deuxième main, je me mets sur les doigts pour forcer un petit peu moins jusqu'à arriver à pouvoir descendre à une main. Et on y va progressivement, doucement. Pac. Après ici, en surchargeant un petit peu le bras arrière. Et après, à un bras, tout simplement. Amusez-vous à explorer ce mouvement. Et je te dis à demain. Salut les loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir un petit enchaînement pour travailler les coups de pied et pour travailler la descente en fait d'une position haute à une position basse. Donc là, je vais prendre ce coup de pied là, pas la peine de lever très haut. Je termine ici pour être de profil. Je peux descendre avec une main par terre, avec l'autre main par terre. Pour le moment, pas de souci. Quand je suis dans cette position là, je vais tourner en passant devant pour changer de position. Là, je prends appui sur ma main pour pouvoir me relever. Et après, je fais de l'autre côté. 1, je me mets de profil. Je laisse absorber ma descente. Cette main, peu importe. Et là, je tourne par devant pour changer la position et remonter. Donc, le but est juste d'explorer tout ça pour pouvoir voir ce que ça donne, tout simplement. Let's go! Salut les loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va avoir un petit mouvement qu'on appelle rachetel. On va surtout voir la position parce que rachetel, c'est un déséquilibrant pour faire tomber. Là, on va juste voir la position pour pouvoir s'étirer un petit peu, tout doucement, tranquillement. Donc, j'ouvre mon pied vers l'extérieur, là où je veux aller. Je descends pour poser ma main et je viens tirer un maximum pour me grandir, grandir, grandir. Quand je sens qu'il faut que je lâche, je remonte et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, hop, j'essaie d'aller à fond, le plus loin possible. Et après, je reviens. À faire autant de fois que vous voulez. Faites-le avec la sensation. C'est parti. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. Ciao! S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Salut les loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit exercice que j'aime bien, qui va permettre de travailler la coordination, l'équilibre, mais également le bon engagement qu'il faut pour pouvoir lever la jambe et avoir un bon contrôle là-dedans. Le but est de lever la jambe là où vous pouvez, si c'est ici, c'est ici, si c'est ici, c'est ici, si c'est plus haut, c'est plus haut, et va être de dessiner des petits cercles, sans vraiment redescendre. Je me fixe une limite à ne pas dépasser en bas, et je reste là-dedans, dans un sens, dans l'autre. Après, je peux faire avec des 8, poum, poum. Ça va me permettre de comprendre un petit peu l'équilibre et comment il faut que je me comporte pour pouvoir lever ma jambe. Et en plus, je vais développer les qualités qu'il faut pour pouvoir améliorer mon mouvement. Hop, dans un sens, dans l'autre. Là, vous voyez que ma cheville en bas, elle est comme ça. Donc, très bon exercice. Hop, des 8. Bon, les 8, ils n'étaient pas top, mais c'est l'intention qui compte. Ciao les loulous. Salut les loulous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire deux coups de pied, à enchaîner deux coups de pied. Tout simplement, on passe devant, on tourne un maximum et on sort la jambe. Comme si je faisais un tour complet en fait. 1, 2. Donc je passe devant, un tout petit pas, je tourne et je sors ma jambe. Pour le moment, je vais me concentrer sur les genoux. Je lève mon genou, je le pose à côté, je tourne et pour sortir, je lève mon genou. Et au fur et à mesure, je vais commencer à dessiner un peu plus en tendant la jambe. 1, je pose à côté, je tourne et là, je dessine toujours en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, hop, je tourne, je lève là-bas pour sortir. Pour le moment, la hauteur, on s'en moque un petit peu. Ce qu'il faut, c'est juste prendre ce bon schéma-là. Salut les loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où là aujourd'hui ça va être un peu plus complexe mais on va essayer d'aller chercher aussi un petit peu cette zone d'inconfort qui va nous faire aussi progresser. Donc le but est de se retrouver dans cette position, je pense qu'on l'a assez celle-là, et se fixer des lignes ici, devant, derrière. Donc je vais juste avancer
et donner un coup de pied ici, pointe du pied vers le bas. Une fois que j'ai donné mon coup de pied, je pose ma jambe par terre. Et là, je suis au début de la séquence comme tout à l'heure. Et maintenant, je vais viser devant. Donc, je vais avancer. Et là, mon coup de pied, pointe du pied vers le sol. Je descends. Et maintenant, je vais vers là-bas. 1, 2, 3. À faire, à explorer un petit peu le mouvement, les possibilités. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est trop difficile ou si au contraire c'est cool de complexifier un petit peu comme ça. Et voilà, excellente journée à vous!